Salut à tous, c'est Wiki, j'espère que vous allez bien, bon, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo assez spéciale. Donc on retourne à l'année dernière, l'Euro 2017. Ouais, c'était l'Euro 2017, là, ouais, l'année dernière, ouais. Où j'avais fait des Panini Opening, où je pensais que ça allait pas marcher du tout, je pensais même pas que ça allait marcher. Je vais vous les remettre dans la description, j'en avais fait deux. Il y en a une qui avait dépassé les 200 vues et l'autre les 600 vues, je crois. Oh, il y a une bête là. Pas super. Bref, donc là on se retrouve pour la Coupe du Monde où on va supporter notre club. C'est l'équipe de France. Donc j'en ai trois. Je crois que c'est Carrefour, je crois. Un petit peu d'où ça vient. Là, comme vous voyez, Carrefour, Belin, Panini, ouais. Alors attendez, je vais juste tuer ça en bête. C'est un petit peu dérangeant. Allez hop là, t'es mort. Oh. C'est bon. Je croyais tomber dans ma chaussure, mais j'y penserai à la fin de la vidéo. Alors, on va s'ouvrir le premier pack, on va dire, le premier pack Panini. Je sais, c'est pas une vidéo qui va intéresser certaines personnes. Ça, je le sais, mais bon, quand j'ai vu la dernière fois qu'il y avait les 600 vues, je me suis dit, ah, c'est pas mal, il y a peut-être quelque chose à faire, pourquoi pas. J'ai vu ça. Donc là, comme toujours, je regarde pas les cartes. On va commencer comme ça. J'ai pas regardé. Alors là. Si je vois comme ça, c'est Thomas Lemar, Rami et Kipembe. Ouais, c'est ça. Ensuite, l'autre, Griezmann, Giroud et Coman. Ouais, c'est ça. Et la dernière, c'est N'Golo Kanté. Alors, je sais pas s'il y a un petit magazine avec qui donne avec à Carrefour. Je crois avant, c'était un délire un peu comme ça à Carrefour où ils donnaient des magazines et tout. Bref, bon, après ça, je peux rien en faire, hein, après. J'achète plus. Avant, quand j'étais petit, j'en faisais pas mal de panini comme ça. Chaque année, j'achetais le truc. Allez, deuxième pack. Ouais, chaque année, j'achetais le truc. C'était un truc de ouf pour moi. Allez, on se retrouve pour l'autre. Là, c'est le Stade de France. Côté gauche. Ouais. Ok, là en bas on voit un petit peu. Ensuite, oh, j'ai vu Sidibé en carte spéciale. Ça, je crois que c'est une carte spéciale. Et j'ai vu juste comme ça qu'il y en a une autre en dessous. Et on va voir, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Sur une petite carte comme ça, je trouve c'est pas mal. S'il y a des connaisseurs, s'il y en a qui font la collection, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, ça après, je m'en sers pas. Je m'en sers vraiment pas du tout. C'est l'odeur aussi. Ah non, celui-là, il sent pas l'odeur. Avant, il y avait une odeur pour que je chantais. Là, je vois juste la petite jambe comme ça. Hein. Mais sinon, je vois pas du tout. On va voir ensemble, c'est Antoine Griezmann, putain, puis il tombe. Ensuite, Hugo Lloris, Pogba. Attendez. Hugo Lloris, Pogba, Kimpembe. Non, c'est Coman. Kurzawa et Koscielny. La mettre. Ok, et la dernière c'est Corentin Tolisso, ancien lyonnais, je crois. Il est bon, il est pas mal. Ouais, je l'ai vu là. On va dire ça comme ça, c'était un bon pote à mon père. Enfin, un bon pote, ils sont devenus bons potes. Je vais pas vous expliquer la story, mais genre mon père il travaillait dans un garage et Tolisso il venait toujours avec sa grosse Merco. Et voilà, et des fois je le voyais, et voilà. Donc voilà, on a eu un petit peu tout ça. J'espère que cette petite vidéo de Panini Opening vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.